Salut! Comment ils vont? Ça fait genre longtemps. Genre très longtemps. Mais c'est pas un problème, parce que regardez aujourd'hui, ma caméra elle est ici. Mais qui me filme? Ah, mystère. Ouh. C'est un cadreur. Waouh. Le concept d'aujourd'hui, c'est que j'ai posé un cadre là pour YouTube pour faire des vidéos un petit peu bah, normal quoi, genre des facecam à la con, sauf que j'ai vraiment aucun sujet. Donc à la place, on va voir comment est-ce qu'on éclaire la chose. Et c'est pour ça que j'ai déjà posé mon cadre, parce qu'on va pas s'attarder sur comment est-ce qu'on fait un cadre, est-ce que c'est ça, hein. On va pas faire du A à Z, on va juste se concentrer sur la lumière. Parlant de lumière, le décor qui est filmé, c'est ça. Alors c'est mon ordinateur, hein. Techniquement, faut l'allumer. Et pourquoi on l'allume? Pour avoir des choses sur les écrans, comme ils font les youtubeurs, comme Léo Techmaker, par exemple. La deuxième étape, c'est que comme vous pouvez voir ici, il y a des choses. Donc, c'est des choses que tout le monde a, qui sont pas du matériel professionnel, mais qui vont juste genre donner un mood. Genre là, techniquement, c'est bleu. Après, moi, j'aime bien le vert, par exemple. Le vert. J'ai dit le vert. La deuxième chose qu'on va mettre, ça va être ceci. Donc basiquement mon cadre ça va être ça le décor. Après on peut vraiment genre choisir des couleurs. L'idée c'est pas d'avoir un truc qui est neutre, genre pas du tout. C'est parce qu'on est sur YouTube et on fait des vidéos de divertissement et un petit peu des fois ça parle. Le concept c'est vraiment de ramener le spectateur dans son monde, entre guillemets. Donc d'installer soi-même une petite ambiance et comme ça après les gens ils viennent parce qu'ils savent que l'ambiance est cool. Et le but ça va être de rendre cette ambiance encore plus cool parce que là pour l'instant, si j'active ma caméra et là tu vois, oh magie du montage, regarde je suis là et puis après je suis là et puis après je suis là et puis après je suis là. Bon bref c'est chiant, tout le monde a déjà fait cette balle en plus. Mais en gros mon cadre c'est ça pour l'instant. Alors ma balance des blancs est un peu foirée sur ma caméra là-bas, mais c'est pas grave parce que de toute façon on va rajouter de l'éclairage et on va voir ce qu'on va faire avec. Le premier concept, ça va être de vraiment venir appuyer l'éclairage de ce côté-là de ma tête. Donc on va voir avec les atouts qu'on a, à savoir un panneau LED et une softbox, comment est-ce que je peux bah, vraiment appuyer le décor quoi. C'est le concept, ouais. Voilà. Du coup, ça c'est de la cam de professionnel. C'est AMZ Deal, c'est une marque qui est super connue dans le milieu professionnel et qui est super utilisée par genre personne. Ça c'est allumé, c'est le temps que ça chauffe. Après on va faire plus de lumière, c'est le temps que le carburateur il carbure quoi. Ouais. Ok. Le truc c'est que ces lumières là c'est très chouette. Mais genre c'est très diffus. Ouais, bah, si tu regardes ici tout par là, bah ça éclaire quand même vachement pas mal. Donc comme nous on n'a pas de ce qu'on appelle des drapeaux, tu vois, c'est-à-dire des gros machins noirs que tu veux mettre là pour parce que tu veux pas que la lumière elle arrive sur ton décor. L'idée ça va être juste tu le tournes et après ça marche et ça éclaire un peu moins le décor. Après c'est pas idéal parce que genre les murs sont blancs donc ça reflète de partout. Mais de toute façon, comment dire, dans des schémas un petit peu YouTube, t'as pas forcément, si tu veux, les moyens d'avoir une salle noire où tu peux contrôler toute ta lumière indéfiniment. Après, on va avoir un deuxième problème. Ça va être les lumières qu'on contrôle pas forcément. Par exemple, la cuisine, en soi, ça éclaire un peu trop par rapport à ce que je veux. Ça éclaire déjà pas mal le décor et ça me fait chier, honnêtement. Mais dans sa grande sagesse, il se trouve qu'on a inventé un truc magique qui s'appelle des interrupteurs. Alors attention, hop, c'est la nuit. Voilà, c'est pas complètement. Ça c'est mon verre, c'est pas grave. Mais c'est pas complètement la vie. Du coup, si je me remets là, bah, c'est mieux quoi. C'est pas la folie parce que de toute façon, voilà, mais c'est mieux. Donc là déjà, on commence à avoir quelque chose de pas mal. Mais on peut améliorer la formule. Je suis vraiment obligé d'éclairer genre par là. Parce que sinon, ça fait trop de lumière là. Sauf que si j'éclaire trop par là. Bah la lumière elle va rebondir, elle va faire ouf là, et ça va me faire chier. J'ai pas envie. Mais du coup on a cette chose magique qui s'appelle une deuxième lumière. C'est un petit panneau LED qui a coûté genre 30 balles à tout casser. Après tu rajoutes 20 balles pour une batterie quoi, mais ça va, c'est pas ce qu'il y a de plus cher dans le monde. Dans l'idée je vais juste trouver un petit filtre violet pour vraiment éclater le décor et faire en sorte bah, que le décor soit vraiment séparé de qui je suis. Après, le grand problème qu'on peut avoir, c'est que la lumière peut se voir pas dans le cadre directement, mais que tu vois que ça vient pas de la bande LED. Alors on va essayer quand même, dans l'idéal, ce serait bien de pouvoir éviter ça. Mais à vrai dire, si le mood est bon, on en a un peu rien à carrer, en tout cas sur YouTube. Après, on fera de la fiction, je dis pas. Là, c'est juste de se faire plaisir en se disant, tiens, on va mettre de la lumière et ça va être beau. Hop là, super fort. Bon, c'est rose plus que violet, mais voilà. Là, si je regarde maintenant ce qu'on a, c'est mieux. C'est déjà mieux.
Bon, du coup, là, c'est sympa, mais j'ai pas le sentiment d'être vraiment découpé par rapport au reste de l'image. C'est-à-dire qu'au niveau de la couleur, je suis plutôt blanc, et derrière, c'est genre rose. Sympa, le rose. Ça pourrait être du vert, mais j'ai pas de filtre vert. Mais ça pourrait être du bleu, par exemple. Mais bon, je m'égare. Mais après, quand tu regardes au niveau du contraste, ça reste un peu la même chose. C'est-à-dire que je suis pas tant que ça éclairé. Enfin, je suis pas trop mal éclairé, mais là, c'est éclairé à peu près pareil. Et mon idée, ça va être d'essayer de contraster encore un peu plus la chose. Donc déjà, ce que je peux essayer de faire, c'est d'éteindre ça. En gros, pour résumer, j'ai mis un petit panneau LED violet pour vraiment accentuer les couleurs de la bande LED, histoire de donner un aspect vraiment d'éclairer le décor d'une couleur différente de moi-même. Et j'ai mis la grosse softbox des enfers de manière à genre m'éclairer moi, mais indirectement, parce que l'idéal ce serait d'avoir, je sais pas, projecteur ou ce qu'on appellerait Fresnel avec des lentilles qui sont tout concentriques, mais genre j'ai pas ça parce que j'ai genre pas le budget. Peut-être, ça peut être une explication. Mais voilà, basiquement j'ai, allez, 4 lumières. Ouais, il y a peut-être pour genre 100-110 balles de lumière. Ça va. C'est un petit invest pour genre des gens qui n'ont pas de sous et qui sont genre en cinquième. Mais c'est pas cher. Et ça rend bien. Bah voilà, maintenant il reste plus qu'à voir ce que ça donne à l'étalonnage, si on arrive, si en effet j'ai réussi ma tâche et que la lumière est belle, ou si c'est un désastre total. Et ça, c'est l'éclairage après l'avoir remis à peu près correctement. Enfin, remis correctement, je vais baisser un petit peu l'exposition. En plus d'avoir un contraste de couleur avec le blanc et puis le violet, là, on a aussi un contraste de genre de lumière. Donc, genre, moi, je suis super éclairé, le machin n'est pas super éclairé. Tu vois, concept, tu rajoutes de la profondeur dans ton image. Après, j'aurais eu, genre, je sais pas moi, un autre pied, j'aurais encore mis le micro devant, comme ça on aurait vraiment un avant-plan, un moyen-plan, un arrière-plan, ça aurait été super beau. Mais comme j'ai deux pieds, on va pas faire ça. Voilà. C'est plutôt joli, hein. J'ai fait juste un petit étalonnage, quelque chose de vraiment de rien du tout. En soi, il y a combien? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 notes, ça va. J'ai vraiment cherché à accentuer un peu la lumière, encore. Parce que la lumière, en fait, c'est super important. Et là, ça marche. Là, je pourrais faire un podcast sur les profs, mais genre sans problème. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et comment vous auriez fait, vous, ça m'intéresse. Et je vais laisser la place à la conclusion. Et c'est la fin de cette vidéo. C'était à but de divertissement. Et un petit peu ludique quand même aussi, mais j'espère que ça sera plus intéressant que pas envie de lancer de blaze, parce que j'en ai pas en tête, mais j'espère que ça sera plus intéressant que ce mec à qui tu penses. Et voilà, si ça vous a plu, bah likez, partagez, s'abonner, parce que c'est comme ça que genre la chaîne peut genre vivre. Bah sur ce, Yeah.